Moi-même, c'est docteur Juno Félix. Moi, c'est un médecin et qui travaille en pile dans le domaine de santé publique. Bon, c'est ça qui est spécialité, moi. Moi, je travaille en pile ni dans le ministère de la santé publique pendant plusieurs années et moi, j'étais dans différents postes de directeur de département, directeur national, central, directeur technique, central. Et moi, je travaille tout dans différentes organisations privées. Et pour Kounia, moi, c'est directeur général d'une firme qui est les Genesis depuis près de 20 ans et qui travaille dans le domaine de santé publique. Et moi-même, principalement, comme un consultant principal Genesis. Et c'est ça qui fait que moi-même, moi, travaille en pile et me produis en pile réflexion sous les maladies, sous les épidémies, en général dans différents pays et particulièrement Haïti. Je veux dire, yo invité, mais m'a remercié différents organisateurs pour yo invitation ça que vous faites pour moi capable de partager avec nous quelques réflexions moins sous pandémie COVID-19 là, et particulièrement de qui genre épidémie a évolué dans le pays d'Haïti. Nous autres connaissons en effet que depuis début mars, moi préféré dire début mars, mais c'est en fait premier cas arrivé en Haïti le 10 mars avec deux personnalités, un haïtien et puis un étranger qui est rentré dans le pays en avion le 10 mars. Moi dis bien, c'est théoriquement parce que c'est ça que l'État, c'est ça que à travers le ministère de la Santé publique, c'est ça que lui-même lui dit. Peut-être ça va arriver que tu aies un cas qui vient avant, mais officiellement, c'est deux cas qui rentrent le 10 mars. Donc, je dis à la causerie que moi-même, je pour me faire avec nous, c'est que nous tous connaissons que l'État haïtien prend des mesures pour lui ouvrir l'école, et effectivement, l'école est rouvert. Et je demandais moi si nous étions capables de parler avec nous sur est-ce que n'est pas trop tôt pour ouvrir l'école pendant que. Pour qu'on gagne un vaccin ou bien pour qu'on gagne des médicaments qui sont vraiment efficaces pour maladie. Donc, j'ai envie de dire au début, c'est que deux premiers cas sont rentrés et dans toute épidémie en général, surtout que si microbes, si micro-organismes, ce n'est pas dans le pays, ils sortent même, s'ils ne sont pas sortis dans le pays, c'est que ce sont des micro-organismes qui sortent dans l'autre pays qui vient. Et micro-organismes, que y aurait les SARS-CoV-2, qui sont un virus de type corona, c'est-à-dire famille virus ça, et les corona, parce que le grand couronne qui entoure lui. Et virus ça, il rentre, il n'est pas qu'à rentrer pour col. Virus ça, pas qu'à prendre un avion le venir. Donc, virus ça, c'est un dans le monde que il rentre. Okay? Parce qu'effectivement, virus, il n'est pas même considéré comme une cellule en biologie, parce que il n'est pas respecté toutes les caractéristiques en cellule. Particulièrement, un virus, pas qu'à reproduire tête. Virus, c'est en dedans l'autre cellule pour le rentrer et pour le faire cellule-là reproduire. L'État haïtien a pris plusieurs mesures. D'abord, il y a un plan pour empêcher le virus de rentrer en Haïti. Et moi-même, particulièrement, moi j'ai toujours dit que c'est peine perdue, plutôt vous mettez priorité au son l'autre bagaille parce qu'il n'y a pas qu'à empêcher le virus de rentrer en Haïti. Non pas même qu'à empêcher de l'autre bagaille, tant qu'aux médicaments que fabriquer des faux médicaments, nous pas qu'à empêcher de rentrer en Haïti. Des armes en général, nous pas arriver à contrôler les armes qui apprennent à rentrer en Haïti. Et ni médicaments ni armes, c'est des bagailles qui sont visibles. Malgré ça, nous pas qu'à empêcher de rentrer. Allez, ouais, pour un bagaille qu'on pas qu'à ouais, tant qu'on microbe. Et malheureusement, ils ont mis le focus là. Et effectivement, le virus sans rentrer à travers deux individus le 10 mars. Et ensuite, on te prend ensemble de l'autre mesure, le vin confirmé le 19 mars. Virus est rentré le 10, mais il fait un test pour Mounio. Et le 19, il confirmé que le virus est vraiment présent à travers deux personnalités. Kasayo, c'est des cas importés, nous sommes capables de dire. Ça veut dire parce que le virus n'est pas sorti en Haïti, c'est dans l'autre pays sorti. Nous tous connaissons que c'est en Chine, dans une ville qui est le Wuhan, dans une province qui est le Hubei, c'est là que le virus est sorti. Et que ces voyageurs, les gens qui ont rentré, sorti en Chine, qui allaient d'abord en Afrique, ensuite en Europe, et les viennent gagner dans toute l'Asie. Hein. Et puis ensuite, en janvier, le virus est venu rentrer aux États-Unis. Et nous tous imaginons, proximité nous gagne aux États-Unis, l'État finit par rentrer en Haïti.
L'État a pris l'autre mesure. Le 19 mars, il a dérapé un couvre-feu nocturne. C'est de 8h du soir à 4h du matin, à 5h du matin que j'ai fait couvre-feu. Et ensuite, j'ai fermé l'école, j'ai fermé l'église, j'ai fermé un ensemble de nightclubs, de restaurants, etc. C'est ça que nous avons gagné dans le pays. Malheureusement, le virus, effectivement, est rentré. C'est qu'à importer. Mais les gens qui prennent la maladie, ça, ils ont eu l'autre monde qui était proche en Haïti. Et à partir du moment que les gens en Haïti, qui vivent en Haïti même, commencent à eu l'autre monde en Haïti même, ils ont parlé de ça, de contamination communautaire. Et depuis avril, nous sommes capables de dire, depuis avril, nous avons commencé à gagner des cas communautaires. Les gens ont bail les gens ni dans le pays. Et l'État, j'en dis, en dehors de mesures, l'État a envoyé des messages et un ensemble de mesures dans le monde entier que le monde devine adopter. C'était dans certains pays, ils ont fait confinement, ça veut dire que les gens étaient là, caillou, pas sorti. Il y a d'autres pays qui ont obligé tout le monde à mettre des masques. Et ensuite, mesures normales pour laver même le plus souvent que nous sommes capables. Et puis ensuite, prendre distance, leur camper tout près au monde. C'était une mesure sérieuse que vous avez pris. Et Haïti tout est adopté même mesure. Et en plus de couvre-feu, on a un certain confinement, certain d'après officiel. Mais, j'en ai toujours dit, en Haïti, j'en nous vivons en Haïti, il était difficile pour faire confinement parce que Haïti, particulièrement Port-au-Prince, c'est une ville qui est plus dense dans l'Amérique latine. Le balai de densité, c'est quantité de population par kilomètre carré. En Haïti, nous gagnons des villes qui sont très très denses et population yon sous l'autre. Il y a un paquet de bagages que nous pas arrivé à gérer. Nous pas arrivé à gérer la question du transport public. Malgré l'État qui prend des mesures, mais nous avons toute camionnette, nous avons pile sous pile dans la camionnette. Dans le marché public, nous n'avons pas arrivé à gérer le tout, nous avons pile sous pile. Et malgré tout, Haïti n'a pas arrivé à une catastrophe. Pas arrivé à une catastrophe et jusqu'à mois août, nous avons dit de 19 mars à 14 août, qui est le dernier bulletin que le ministère a produit, nous avons gagné 7849 cas. Si nous cumulons tout le cas, c'est 7849 cas qui ont gagné en Haïti. Et dans 7849 cas, c'est seulement 196 personnes qui mourent. Je me dis seulement, excusez-moi, dans le sens que le taux de létalité, la quantité de monde qui mourait, c'était à peu près 2,5% de la population qui gagnait la maladie qui mourait. Ça veut dire que ce n'est pas une maladie qui est très mortelle. Ce n'est pas une maladie qui est très létale. Mais maladie ça, c'est une maladie qui est très contagieuse. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre facilement, surtout sur proche monde, si on a parlé, postillon à voler et postillon capable de arriver à contaminer l'autre monde. Et finalement là, je dis que si nous regardons les dernières 24 heures, si nous parlons du 13 au 14 août, il y a 48 nouveaux cas dans les dernières 24 heures par rapport à bulletin que nous avons là. Ça veut dire quelque part que maladie nous pas arrivé capable de cerner toute information sur maladie. Corona là. Et qu'on a toujours là, juste je dis que je parle avec nous, que nous avons fait mois août là, qu'on a toujours là, toujours. Il est toujours à gagner dans le pays d'Haïti. Mais malheureusement, il y a des gens qui te prévoient, alors heureusement, me dit, il y a des gens qui te prévoient, selon certaines études que de l'autre université dans le pays étranger ont fait, que moi-même, comme professionnel de santé publique, je suis allé à l'encontre d'études sérieuses. Je te dis qu'il y a une catastrophe, il y a des milliers de monde qui pourraient mourir, malheureusement. Alors, heureusement pour nous-mêmes, ce n'est pas le cas. C'est seulement 196 décès que nous gagnons jusqu'à mois août. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que peut-être que nous bénéficions de certains paramètres, des paramètres que la science baille. Il baille, par exemple, que chaleur, soleil, virus n'a pas toléré chaleur. Il n'y a pas toléré chaleur à 46 degrés centigrades, le virus a séché. Depuis 26 degrés centigrades, il a découvert que dans le laboratoire, le virus est mal à l'aise. Ça veut dire que dans la chaleur, dans le gros soleil, le virus, la contagiosité diminue.
Donc, nous avons toujours pensé que paramètre ça, son paramètre qui agit bien pour Haïti, là pour le fait que le virus n'a pas fait de dégâts que le TAC a fait dans des autres pays tempérés, des pays côté fait fret ou bien des pays tempérés. Ensuite, vous pensez tout que des pays qui ont fait vaccination massive contre tuberculose, vaccination massive avec vaccin que les vaccins BCG, hein, que nous tous les points, nous tous remarqué que nous avons un petit boule dans le bras, nous, c'est un vaccin que nous avons pris des petits contre tuberculose. Et vaccin ça, Haïti, c'est un pays qui a fait vaccination massive. Et vous remarquez que pays qui a fait vaccination massive contre tuberculose, maladie corona, ça n'a pas fait même ravage. Troisième élément encore, c'est l'élément de l'immunité croisée. Le fait que nous avons un bon microbe ici en Haïti et que peut-être que nous développons des anticorps, une défense par rapport à virus et nous développons par rapport à l'autre microbe, peut-être nous sommes capables de faire immunité croisée. Mais je dis peut-être parce que pourquoi il y a des conclusions scientifiques sur ça. Moi, je pense qu'un jour, peut-être que nous avons gagné pour nous faire un travail en profondeur en Haïti pour nous arriver à comprendre, pour la science arriver à comprendre pour qui ça en Haïti n'a pas fait tout dégât que le fait, même la République dominicaine qui est sous côté, hein, gagne beaucoup plus de monde qui mourit. Moi, je pense qu'il y a une raison autour, c'est que nous n'avons pas fait un pile test en Haïti. Nous n'avons pas fait un pile test. Pendant que nous-mêmes en Haïti, nous faisons un peu plus que 10 000 tests, okay, disons jusqu'à 15 000 tests monde que nous testons. Or, maladie, ça, son seul jour qu'on connaît un monde gagnant, c'est si ils font test et puis test positif. Nous prenons exemple la Dominicanie, pendant la même période que nous faisons à peu près 15 000 tests, la Dominicanie était déjà dans 200 000 tests. Ça veut dire qu'ils ont testé plus de monde passé. Qui ça a montré? Ça a montré que pendant que le ministère a déclaré que le taux de positivité était 37,5%, ça veut dire même 37,5%, ça veut dire quantité de monde testé, 37% en yo positif. Mais malheureusement, c'est pas nous presque nous tester plus de monde, nous tester en province tout, mais c'est là nous tester plus de monde. Et c'est là nous jeunes beaucoup plus Katou, c'est pas nous presque avec Delma. Et puis Carrefour, Pétionville, l'autre tabac, ils sont venus après. Des villes dans le Cap-Haïtien, c'est 241 monde seulement qui vivait des maladies, qui confirmé. Ça veut dire que nous t'avons hasardé pour me dire que nous pas arrivé des informations réelles sur maladies, sur quantité de monde réel qui gagne et quantité de monde réel qui mourit. Donc ça veut dire que nous avons certains flous si nous regardons au point de vue scientifique. Mais il y a plusieurs monde tout en Haïti qui gagne, qui parle à l'hôpital, qui pas fait test et que n'ont pas même déclaré que ont été gagné corona parce que n'ont pas fait test, nous pas connaît. Mais moun yo senti yo gen la fièvre, yo toussé, yo perdu goût, yo pas senti yo respirer bien. Donc tout ça c'est des signes qui kon paraît dans corona, mais moi même comme médecin de santé publique encore, m'pa ka confirmer c'est ça ou te gen. Mais possible que c'est ça. Mais haïtien te gen l'autre comportement. En général, nous gon l'autre comportement thérapeutique parce que depuis indépendance nous depuis plus que deux siècles et même avant indépendance, hein, l'un des esclaves haïtien en général, les malades, les gains propres façon de traiter tête avec feuilles, etc. Et nous voyons que l'Université d'État d'Haïti a fait une étude pour garder quelle quantité de feuilles que nous avons utilisées. Et nous reconnaître que nous jouons 77 protocoles. Ça veut dire 77 façons que les Haïtiens, soit avec gingembre, avec armoise, avec différentes feuilles que nous utilisons, combinées, etc. Et c'est l'Université a fait un bel travail pour montrer 77 façons que Haïtien a utilisé par rapport à la question de la maladie corona. Maintenant, est-ce que vous avez des études qui montrent que effectivement feuilles que nous avons pris en Haïti sont efficaces? Est-ce que vous avez une efficacité clinique qui prouve? Non. Pas une efficacité clinique qui prouve. Même si docteur feuilles dit que vous même c'est vous qui traitez la maladie avec feuilles. Mais moi même si vous voulez une posture scientifique, je pensais quand même, faut que tu as prouvé ça. Des pays comme Madagascar, tu as essayé armoise. Tu as fait gros bruit avec. Tu as même un pays qui te dit, a pas acheté tisane armoise dans Madagascar. Même le président haïtien, tu as essayé par le président Madagascar. Mais nous étions pensés avec tout le travail que moi-même et bien de l'autre monde fait avec Dr. Feuille ou bien avec monde qui fait médecine traditionnelle ou bien avec herboristes en général en Haïti. Effectivement, il y a des monde qui jouent un résultat avec mon médecin traditionnel ça. Maintenant, dans le mois de juillet, brusquement,
comité scientifique, ministère de la santé publique, l'État déclaré que nous sommes arrivés dans le pic là, que nous arrivons dans le pic maladie et que c'est diminué, l'a diminué. Moi-même, scientifiquement, je ne suis pas capable de répéter ça. Parce que nous pas fait un pile test. Donc, si nous pas fait un pile test, pas de moyen pour nous connaître la maladie, effectivement, dans quel état que nous sommes. Dans l'autre pays, même les gens qui mourent ont testé. Allez, ouais, pour vivant. Et nous-mêmes, même vivant, mourons, nous pas testé, nous n'avons pas arrivé à connaître si c'est de ça. Il y a un peu de monde qui mourit, nous pas connaître si c'est de Corona, de SARS-CoV là ou mourir. Donc, je suis très prudent pendant que je parle de ça. Je n'ai pas parlé de pic, qui s'allie en fait, c'est un courbe. C'est un courbe. Courbe là, c'est une représentation graphique de une maladie. Dans l'épidémiologie, c'est comme ça, ils ont parlé de maladie, nous parlons de courbe. Avec dit maladie, elle doit monter, après ça, ils vont l'heure, elle doit fait un plateau, le font titre camper dans le même niveau, et puis après ça, le cas redescend. Quand ça tout le cas monte, puis le redescend, et là, ça nous parlait d'un pic que la maladie en fait. Mais je ne comprends pas, le pic là, c'est lorsqu'il passe un pic ou qu'il y a un pic. Ou pas qu'il y a un pic maladie pendant un pic. Et au fait déclaration, dit que nous vivons dans un pic. Peut-être. Peut-être effectivement que la maladie a diminué. Mais pas gagné aucune garantie scientifique que nous dit que la maladie a diminué. Et malheureusement, on nous dit comme ça, l'État haïtien a décidé, après déclaration que vous arrivez dans le pic maladie, que la maladie s'est baissée, il a fait une déclaration pour éliminer le couvre-feu, tout restaurant relouvré, avion revolé en Haïti, passagers à rentrer, et dans passagers qui ont gagné, ils ont gagné Corona, et l'école laguée. Tout le monde reprend l'activité, la factory relouvre et toute activité. Et il y a une activité que l'État reprend, c'est l'école. Et si nous remarquons que cette semaine, ça y a un gros blocus dans la rue, c'est que l'école recommence à fonctionner, etc. Mais est-ce que effectivement nous avons ouvert l'école? Nous avons ouvert l'école là pendant que le corona n'a pas disparu. Le virus, là, pourquoi aller? Il n'est pas prêt à aller qu'on y a. Un virus dans un pays, le rentrer, ce n'est pas le rentrer, puis il dit bonjour, le rentrer, et puis le pour aller, le monter en avion, le dit bye bye. Le virus a fait plusieurs temps là encore. Normalement, il prévoit que le virus a fait 2 à 3 ans encore présent dans le monde, jusqu'à ce que nous venions une quantité de monde qui est contaminé. Jusqu'à ce que nous arrivions à peu près 70% de la population qui est contaminée. Et le ça, au fur et à mesure, le virus n'est pas actif encore parce que le film contaminé, quantité de monde pour le contaminer, pour arriver, l'activité pour le diminuer. Donc ça veut dire virus là. Je ne pas dire pendant tout le temps ça, il faut fermer l'école ou bien fermer l'économie. Je comprends que différents pays ont besoin d'activité économique pour permettre que l'État gagne l'argent en taxes. Pour permettre que l'État soit capable de jouer une corps pour faire de l'autre bagaille. Pour permettre tout que les gens vivent, les gens qui travaillent, qui rentrent les corps, qui mangent, qui payent les billes, etc. Nous d'accord. Mais si on fait, on est obligé de faire dans toutes conditions. Ça veut dire si le virus est là toujours, on est obligé de continuer à prendre toutes précautions. Ça veut dire que si nous ouvrons l'école, alors moi, il faut que je dise que y a une école qui continue à fonctionner ou bien qui recommence à fonctionner plus bonheur. Mais l'école ça a été utilisé toute forme électronique qui est possible, des formes virtuelles pour faire coup. Et là ça, faut que les vieux aient un téléphone, smartphone, faut qu'ils aient un ordinateur, faut qu'ils soient capables de suivre cours, faut que parents aient payé internet. Et ça, c'était un gros problème. C'est pas tout le monde qui a une capacité pour faire ça. Donc il y a des écoles qui pas même essayer faire bagarre ça du tout parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc je pense que c'est un intéressant pour permettre que toute République soit capable, sur le même niveau, de permettre que vous ouvriez l'école. Mais est-ce que si nous ouvrons l'école, nous n'avons pas de mesure? Ça veut dire, pour nous faire timonio, laver mes yeux très souvent. Pour faire professeur, laver mes yeux très souvent. Pour nous faire une distance entre timonio et dans l'école. Ensuite, faire timonio, mettre un masque parce que le risque pendant timon a joué, timon a parlé. Des caveaux et postillons, si yon nan yon gen virus, en pilote ap gen yon dans l'école là. Donc, moi-même personnellement, moi pas pensé ici en Haïti, gen moyen ça pour nous ta ouvert l'école avec présence son virus là. Pour ça me dit pas gen moyen, c'est l'on gade infrastructure scolaire. Gade kay qui fait l'école en Haïti. Combien kay nous pensez effectivement
qui t'est préparé même pour faire l'école. En pile fois son cas nous est un cas privé, cas en famille et puis brusquement mon a décidé de faire l'école là-dedans ou bien mon loué pour faire l'école et pour passer devant où elle marqué kin fond sec. Kindergarten fondamental secondaire. Il a dit mon petit cas qui a peut-être gagné 6 7 chambres, il a mis des cloisons en yo etc. et puis sortant derrière ou faire tourner l'école. Il y a kindergarten, il y a primaire, il y a fondamental, il y a secondaire. Et il y a même une université. Ça veut dire pour moi-même, je parle même dans une petite chambre, où je mets pile d'élèves là-dedans, qui j'en pourrais dire, nous pourrions conserver distance. Comment nous pourrions faire, les élèves respectent les mesures. Professeur qui campe dans la classe, à quelle distance tu campes de l'élève? Qui j'en pourrais faire là? Kounia, nous disons, si nous pourrions laver, mais avec qui de l'eau. En pile fois l'école yo pas gain de l'eau courante. En pile l'école en Haïti pas gain courant d'eau courante. Même l'école privée gain quelques grandes écoles que relé gros l'école en Haïti malheureusement ou capable joindre de l'eau, capable joindre une toilette etc. Si moi l'école publique yo, si moi lycée, est-ce que nous sûr lycée gain de l'eau? Quantité de l'eau pour tout le monde qui était dans le lycée, pour qu'il ait lavé au matin, midi, soir, pour que tout le monde ait lavé même de temps en temps. Ce n'est pas seulement le rentrer pour le laver même et puis le lave sortir pour le laver même. Il faut de l'eau disponible devant la classe là, ou bien dans la classe. Là. Ou pas pour mettre un bouquet de l'eau pour tout le lycée ou bien pour toute l'école. Là. Et il faut de l'eau à renouveler tout le temps. Il faut que mettre savon pour tout le monde laver même. Il faut de l'eau en Clorox, etc. Et moi, pas quoi. Que nous avons une capacité ça. Même dans Port-au-Prince, nous avons une capacité ça. Allez, ouais, dans tout pays, pour nous arriver vraiment à une distribution de l'eau et que chaque jour, depuis matin, jusqu'à ce que le timon nous allait, que nous sommes capables à chaque fois de sentir nécessité pour aller laver meilleur pour ensuite passer ça. Est-ce que c'est dîner pas qui t'a dû écouter, mais est-ce que c'est dîner pas qui t'a dû à mettre de l'eau? Ok? En mettre de l'eau dans toute l'école, est-ce que c'est l'État qui a responsabilité ça? Je ne sais pas, il n'y a pas de moyens logistiques pour que c'est l'État qui marche distribuer de l'eau dans toute l'école. Donc pour moi-même, c'est une situation vraiment compliquée. Maintenant, masque pas recommandé pour mettre toute journée. On masque, il faut de temps en temps retirer. Parce que l'eau a poussé gaz carbonique là, rété dans le masque. Donc ça veut dire l'eau respirer encore ou respirer gaz carbonique encore. Par contre si nous consentir le mettre massa, tout en sentir nous consentir une petite tête virée, c'est que vous faites trop de temps à massa et puis vous pas respirer bien, pas gasser oxygène qui vient dans le cerveau et puis vous sentir ou gagner un petit étourdissement. On y retire massa, vous commencez à respirer plus bien et puis vous pouvoir plus bien. Un petit monde les plus compliqué toujours. Il y a des pays à un certain âge, je pas quitter Timoun, je mettais masse. Donc nous-mêmes, Timoun dans kindergarten, parce que moi, kindergarten, il va fonctionner tout. Primaire, qui j'en a pas le fait. Ensuite, économiquement, vous avez gagné l'école, le directeur vend masse. Les parents, ils ont gagné corps pour passer masse tout le temps. On masque, après une quantité de temps dans la figure, il n'est pas servi même gens encore. Masse en toile, c'est à peu près 70% de microbes que l'on fait barrer. Masque qui pi correct, c'est masque N95, c'est des masques qui vendent bien cher. Que tout le monde n'a pas accès à acheter masque N95, qui c'est eux-mêmes qui arrivent barrer tout microbe à 96%. Mais écoute, est-ce que vraiment il y a moyen ça? Est-ce que nous avons moyen pour que tout le monde n'a pas acheté masque? Masque, si c'est en toile que lié, il faut t'obliger à laver masque de temps en temps. Ou laver et puis ou passer ou remettre. Mais à chaque fois ou repasser masque chaleur qu'on baille parce que on masse en toile c'est tissé que le tissé ça veut dire qu'il y a un espace entre fil yo fil horizontal avec vertical mais petit espace ça yo après on met balle chaleur tout le temps il a fini par dilater donc ça veut dire qu'il y a un risque encore parce que nous pas qu'à faire en Corée du Sud nous pas qu'à faire en Hong Kong qui ont même tout le monde mette masque et tout le monde respecte parce que le niveau de vie nous permet ça. La majorité de monde travaille dans le pays, ça, presque tout le monde travaille et tout le monde a des revenus que le cas acheter masque. Et nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, avec le niveau économique, nous,
moun yo pa gen l'argent vraiment pour acheter masque. Donc ça c'est un deuxième problème. Troisième là, c'est question distance là que m'ai parlé déjà. Même dans lycée nous yo gen des salles qui gen 80 timoun, qui gen 100 timoun là-dedans. Donc nous imaginer pas aucune distance qu'a pas respecter. Moi tande gen les directeurs d'école qui t'ai proposé pour que yo fait plusieurs séances et que timoun yo le ça t'a gen moins timoun dans salle de classe. Mais si vous faites plusieurs séances, vous êtes obligé de gagner doublé travail professeur. Est-ce que vous avez doublé salaire professeur? Est-ce que vous avez triplé salaire professeur? Donc, pour moi-même, pendant que l'État n'a pas paré pour le bail subvention à l'école privée, ni l'État n'a pas décidé pour le payer professeur overtime. Ça veut dire, nous avons une situation qui est vraiment compliquée. Nous vraiment compliquée, surtout que jusqu'où n'y a pour gagner un médicament certifié qui est capable de guérir maladie. Pas gagné. Il y a plusieurs pays qui font des essais. Il y a des pays tant que l'Europe, la France, qui ont commencé avec chloroquine. Il y a des autres pays qui ont venu pour chloroquine, ils ont ajouté azithromycine. Des pays tant que les États-Unis ont venu ajouter zinc à azithromycine et chloroquine. Mais au fur et à mesure, ils ont vu que ce n'est pas vrai. Que chloroquine n'a pas gagné tout pouvoir ça. Chloroquine n'a son médicament pour malaria que lui. Il y a l'autre pays, tant l'Australie, qui pensait que vous avez utilisé ça, des anti-helmets. Ça veut dire des médicaments qui comptent vert. Et là, Dominicanie, ils ont essayé d'adopter le même protocole australien. Ils ont utilisé anti-helmets. Mais maintenant, ils n'ont pas gagné preuve de que vous avez efficacité clinique contre maladie. Donc, on aurait été clair que jusqu'à présent, la médecine, c'est symptômes que vous traitez. Vous avez fièvre, vous avez tous, vous essayez de faire des médicaments pour tous. Mais le virus en lui-même, il n'y a pas de déstabiliser, il n'y a pas de tuer le virus. Et le vaccin, non plus. Pourquoi gagner un vaccin? Et je ne sais pas de si peu, de si bonheur, de si tôt il y a joué un vaccin. Le virus, ça, que vous avez le SARS-CoV-2, je rappelle nous que un virus, il y a un droit ou bien l'ADN, ou bien bon molécule ARN là-dedans. ARN avec ADN sont acides nucléiques qu'on joint en dans cellules. ADN non qu'a joint ni dehors ni en dans ARN non joint ni dehors particulièrement. Et molécules ça yo yo très important dans le corps. Et mes virus yo gain un seul, ou bien le ADN ou bien le ARN. Virus ça qui concerne nous dans l'épidémie ça, SARS-CoV-2, c'est un virus ARN que dit. Et qui vient faire que le virus ARN est plus difficile pour faire vaccin pour eux. Pour qui ça? Parce que le virus ARN, le rentrant dans les cellules, l'effet cellulaire fait une copie de tête. L'effet virus, l'effet cellulaire servit comme une machine photocopieuse. Le virus est rentré et puis il fait machine photocopier tête. C'est comme ça que le virus reproduit tête. Mais malheureusement, le virus ARN n'a pas de capacité pour vérifier copiant. Puis aussi copiant bon. Tandis que le virus ADN, oui, il a fait ça. Le virus ADN, le fin fait cellule, fait copier, il a vérifié pour si toute molécule est correcte, j'en ai ADN n'a fait ça, ARN n'est pas capable. Ça vient faire qui ça? Ça vient faire que le virus reproduit en dans cellule, cellule que l'occupe à cellule, regarde en dans corps, pour chaque petit petit qui fait pour coloniser l'autre virus, l'autre cellule. Et bien, l'elle fait là, copiant qu'on mal fait. Et l'elle mal fait là, ça veut dire que molécule là pas même genre encore. C'est ça qui fait qu'on gagne plusieurs souches de même virus. C'est ça où est les mutations. Et mutation, sérieux, j'aime dire là, c'est en fait, c'est le copie virus en fait, là, virus ARN en fait, là, elle pas fait exactement même genre. Il pas tout non l'autre virus. Il toujours tout le même virus là, avec des variantes. C'est ça qu'on entendait qu'il y a plusieurs souches. Que même moun qui pensait qu'en Haïti, il y a l'autre souche qui vient dans le virus, qui pensait tout que c'est ça qui fait le virus moins arrogant en Haïti, moins frappé, moins ce monde. Ça encore, ça reste à prouver. Parce que moun qui était venu en Haïti, ils sont sortis de tous côtés, ils sont sortis aux États-Unis, ils sont sortis en Europe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à connaître combien de souches qui rentrent en Haïti. Donc le fait que les faits comme ça, donc vaccin vient plus compliqué. Parce que qui sont les vaccins? Un vaccin. Il partit d'un principe que en dans corps moun ou gen un système de défense tant que la police tant que l'armée dans un pays mais sauf dans question maladie ça yo
dans le domaine immunologie en général, le a parlé de défense, c'est des défenses qui sont spécifiques. Ça veut dire que vous avez la police et vous avez un BIM, ou un CIMO, ou un UDMO, ou un USGPN. Ça veut dire que vous avez une bonne armée spécifique. Comme ça, corps et tout. Pour chaque microbe, le corps développe une défense spécifique. Et le bon vaccin, le microbe rentre dedans, malheureusement pour vous, le corps n'est pas paré parce qu'il n'a pas gagné une défense pour ça. C'est pas un microbe là-dedans et puis quoi gantant développer on l'armée pour gommer contre lui. Et c'est ça qui passe dans SARS-CoV là. En pile fois dans les mounio guéri, en pile fois parce que 85% dans mounio pas développer forme grave là et 95% dans mounio pas mourir, c'est parce que quoi a développé une défense contre microbe là. Donc vaccin pour n'importe maladie, ça coûte tuberculose, c'est une bactérie, c'est pour un virus. Yo ba ou bactérien en vent ou bien ou bon timo soladol pour permettre corps ka reconnaître li. Donc le corps a reconnaître li kounye la corps va développer une défense contre lui-même et la prochaine fois le corps ami comme ça la paré pour lui parce que l'armée a déjà campé en place. Et mais c'est ça au fait avec vaccin. Donc vaccin tuberculose nous te prend l'aide de petit hein, c'est germe là ou ba ou. C'est ça qu'elle fait tirer réaction, elle font boule. Yo bon germe tuberculose qui en fait sont bactéries, c'est un bacille que les bacilles de Koch. Bactéries ça yo bon petit parti là-dedans mais il mourir il va pas faire rien. Yo mettez là-dedans c'est juste pour corps ca reconnaître lui et puis désormais développer on l'armée pour lui-même. Donc la prochaine fois tuberculose rentre sous l'armée en Paris. C'est ça un vaccin. Donc moi je vais t'expliquer nous ARN. Et nous venons dire nous que le virus en fait copie le virus ARN, c'est que il qu'on muté, qu'on gagne une mutation, qu'on gagne une partie de la molécule là qui change, ça vient faire qu'on y a sauté par un vaccin pour lui et devine muté, vaccin gagne droit vienne pas actif sous virus qui muté, un virus qui change. C'est ça que fait virus sida par exemple, c'est un virus même genre avec SARS-CoV là. Il pas fait même genre pas corona, virus sida pas corona. Il n'y a pas de couronne là-dedans. Mais son virus ARN lié tout. Et c'est ça que nous ne pouvons jamais avoir un vaccin contre le sida. Sida là, depuis 38 ans, sida a commencé à reconnaître depuis 1982. Donc entre 80 et 82, il a commencé à paraître et à reconnaître, à identifier. Ça a 38 ans. Et depuis 38 ans, nous ne pouvons jamais avoir un vaccin. Ça veut dire, pour ça, ce qu'on veut tout, c'est pas demain y a besoin de vaccin et le jour où tu vas jouer nos bagages c'est possible que le fin de journée vu virus en muté n'est pas bon pour lui encore. Donc on nous croise les doigts non, mais est-ce que c'est ça qui remet de l'envie, est-ce que c'est jouer un vaccin? Moi même pas tellement croire dans ça, plutôt croire que on travaille défense non, on font gens pour que si monde qui à l'école là professeur qui à l'école le meilleur bagage qu'un café en dehors de toute mesure, laver mains, etc. Que bah, on connaît qui j'en a pas mettre de l'eau dans toute l'école, qui j'en a fait mettre savon à Clorox dans toute l'école, qui j'en a fait timounio kembe distance pendant que l'infrastructure scolaire pas correspond à ça, nous pas gain des grandes salles de classe, nous pas gain contrôle ça, nous pas gain contrôle question masse avec toute raison ça pour moi même ça vous fait que nous sûr c'est essayer fait timounio pour vitamine C et fait timounio pour vitamine D. Vitamine C, on peut venir de tous côtés dans toute pharmacie. Et je vais conseiller si l'État est capable de subventionner ça pour permettre que tout le monde ait une vitamine C. Ou bien, boire du citron, boire du cerise. En général, tout le jus qui est sûr, qui est sûr dans la bouche, il y a une vitamine C là-dedans. Tout. Ensuite, nous sommes capables de prendre vitamine D. Tout. Vitamine D, normalement, soleil est capable. Donc, si on encourage les gens dans l'école, il faut que tu chites dans le soleil là, pendant. En 30 minutes chaque jour, la permettre que le soleil favorise la création de vitamine D. Parce que le soleil a frappé sous la peau, la favorise la création de vitamine D. Donc, moi, je pense que c'est ça plutôt pour nous faire. Faites-nous manger plus bien, faites-nous préparer le corps pour renforcer le système de défense qui est dans le corps. Et depuis le système de défense du corps, le corona, SARS-CoV-2, pas de gros effet sur. Donc là, je dis, ce n'est pas la prière pour nous prier pour nous donner un vaccin parce que nous disons que c'est très difficile.
Et même là, t'as fini faire, ou pas connaît qui vraiment pourcentage efficacité vaccin. Il y a un vaccin qui est efficace seulement à 40%. Il y a un vaccin qui est seulement 60%. Donc, vaccin que vous quatre ouvriers nous pourrons même connaître qui quantité de temps que vous aller. Donc, il est compliqué un peu, il est vraiment compliqué. Donc, moi-même, je t'ai souhaité plutôt. Directeur de l'école, professeur de l'école, parents, on t'a préféré que nous écoutions conseil ça. Par exemple, nous vitamine C, par exemple, vitamine D. Pour permettre que quoi. Mais vitamine D, en plus de soleil, dans le cabaoul, mon cas acheté dans la pharmacie, tout. Il n'y a pas 25 cob, il y a 20 cob, il y a 20 gens chers. Pour moi-même, je pense que c'est cher pour la population haïtienne. Mais si vous achetez une boîte qui est sans comprimé, si de temps en temps, vous avez un comprimé deux fois par jour, ou bien vous avez un chaque jour, il va permettre en plus de soleil, il va favoriser la vitamine, formation de vitamine D, je pense qu'il est capable. Très utile population, très utile. Mais si c'est par rapport à Jean l'école en Haïti, Jean système scolaire en Haïti, je pense que c'est pas te connier. Nous pour côté parer pour ça, on pas croire que gagne assez mesures qui prend pour permettre que nous te gagne école. Merci.